les démons. Et toi, qu'est-ce que tu attends ici? Maman, est-ce que c'est un crime d'être pauvre? Maman, tu ne comprends pas. Tu n'as pas idée du niveau d'humiliation que je subis dans cette maison. Maman, mais qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que j'ai pas été assez patiente comme ça? Maman, je suis fatiguée. Honnêtement, je suis fatiguée. Je suis tellement déçu de toi. À quoi ça sert? Es-tu malade? Comment oses-tu me parler de cette manière en présence des gardes? Et toi, que fais-tu toujours ici? Vas-tu disparaître de ma vue? Sors d'ici! Maintenant, laisse-moi t'avertir. Que ceci soit la première et la dernière fois que tu me parles ainsi. Que voulais-tu que je fasse? Manquer de respect et défier ma mère? Ou bien épauler ma femme contre elle? Peux-tu t'entendre parler? Hein? Ou bien, je te l'ai dit, ce garçon de maman que tu joues ne t'aidera pas du tout. Ça ne t'aidera pas. Maintenant, regarde dans quoi cela t'a conduit. Tu es moins qu'un homme. Je suis le prince héritier du royaume de Éphité. Alors je demande que tu me parles avec du respect. Igwe, longue vie à vous. Mais tu dois grandir. Ou bien, tu n'es plus un enfant. Hein? Comment laisser seule la reine prendre ces genres de décisions dans ce royaume pendant que toi, l'homme, tu es juste là pour la forme? Comment oses-tu? Comment oses-tu amener les affaires familiales dans le royaume et la prise de décision? Mon prince, s'il te plaît, baisse la voix. Ferme-la! Maintenant, écoute. Je respecte notre amitié. Sinon... Sinon quoi? Hein? Sinon, tu vas me bannir du royaume? Hein? Vas-y. Ok? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon prince, retourne à ta famille et dirige ça comme un homme. Avant de penser à diriger ce royaume. Assez! Toi, écoute. Que ceci soit la dernière fois que tu me parles de cette manière. Excuse-moi, s'il te plaît. Bonjour, mon prince. Comment tu vas? Je me porte bien, mon prince. Es-tu de ce village? Oui, je suis de ce village. De quelle famille es-tu issu? De celle du défunt Mazé Eduka, du Némi, le village d'Emi. Feu Manzi Nduka. Kelechi. Oui, mon prince. Est-ce que tu connais bien le village de Emi? Très bien, mon prince. Ok. Définitivement, je te visiterai. Très bien, mon prince, pas de problème. Merci. Passe une bonne journée.
Chérie. Oh, mère. Mère, voici Ijoma, la fille dont je te parlais. Ijoma, voici ma mère. Bonjour, ma reine. Oh, ma chère, tu n'as pas à t'inquiéter, d'accord? Tu vois, probablement elle n'est pas de bonne humeur. Quand elle sera en sortie, elle te parlera, d'accord? Donc, il faut que tu souries. Nous sommes dans le palais, donc je te montre les alentours. Mon amour, tu dois arrêter de pleurer. C'est toi que j'aime et c'est avec toi que je veux me marier. Te voir pleurer me brise le cœur. Chérie, ma mère sait que je t'aime et les aînés de ce village le soutiennent. Personne ne va te marcher. Arrête de pleurer. Viens ici. Tu vas être ma reine. Bien, veux-tu que je pleure? Alors arrête de pleurer. Je t'aime. Chérie, tu ne dors pas. Quel est le problème? C'est à cause de ce qui vient de se passer? Il n'y a rien, je vais bien. Je sais que tu ne vas pas bien. Tu pleures. Parle-moi, mon amour. Approche-toi bien. Quel est le problème? Chérie, je suis vraiment désolée pour toute la souffrance et les humiliations que t'a coûté ma présence dans ta vie. Face à la reine, ainsi que toute la cour royale, je t'en prie, pardonne-moi. Je sais que la classe sociale de ma famille n'est pas le genre dans lequel on va trouver une future reine. Et j'ai toujours pensé que ce n'était pas une bonne idée que tu veuilles me prendre en mariage. Mais tu avais tellement insisté, et même quand je refusais. Tu sais, ça me brise le cœur de voir ma famille être sans cesse rabaissée et humilié. Chaque jour, à la moindre occasion,
quand j'ai fait ce choix d'entrer dans la famille royale, de m'installer dans ce palais et me soumettre à toutes ces règles. C'est pour toi. Tu as dit que ça te rendrait heureux. Parce que moi, je t'aime. Et que je veux être ta femme dans cette vie et même dans la prochaine. Ce n'est pas parce que tu es un prince ou que tu sois riche. Je suis très désolé, mon amour. Tu sais que je t'aime aussi. Je déteste te voir en douleur. Mais il n'y a rien que je puisse faire. Je ne peux pas défier ma mère. Je sais qu'elle veut le bien pour nous. Mais ses approches des choses sont très dures. Tout ce que la mère veut est que tu reçoives une formation adéquate afin que tu sois capable de m'aider à diriger ce royaume avec succès. Je t'aime beaucoup, chérie. Moi aussi, je t'aime. De tout mon cœur. Et je ne me vois pas vivre sans toi. Mais je me demande jusqu'à quand notre union pourra tenir. Parce que la reine ne va jamais m'accepter. Pour elle, je ne serai jamais la bonne pour toi. Mon amour, c'est moi que tu aimes et je t'aime aussi. Je parlerai à ma mère. Ok? Viens un peu. Sois forte pour moi.